Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à l'apéro sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc, chers amis, on va partir encore une fois avec Eagle of America. Donc, en battle. Voilà. Une minute d'attente de. Blablabla. Heureusement qu'ils étaient censés avoir réglé les problèmes de serveur. Bon, bah, Ellipse. Putain. Ah! Toujours rien, c'est génial. Ça y est, au bout de 2 minutes 27 secondes, on a réussi. Bon, hop, le shitbot par Cheetos. Qu'il est coulé celui-là. C'est ça. Ça me semble pas très cheat. Hop les, c'est parti. Oh, ça fait tellement longtemps cette map aussi. Hop. 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 Parfait. Ok, Cheetos. Cheetos. Il n'y a pas de Cheetos dans le coin. Hop. C'est parti. Hop. Elle a pas été rapprochée à moitié. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. SMG Walker spotted. Touché. Your bottom fusion tower is under attack. OK. Ok, parfait. What? Ils sont sur notre point de... Seriously? Je vois rien. Ok, lui va me défoncer quoi qu'il arrive parce que c'est une SMG et qu'elles sont complètement OP. Hop. Mais c'est pas grave. Être OP, c'est normal dans ce jeu quand t'es une SMG. Depuis le début, hein. On en parlait d'ailleurs avec un viewer hier soir sur Steam. Sur YouTube, qui voulait absolument que le jeu devienne une espèce de zone de construction gratuite. Appelez. Ce dont je ne suis pas d'accord, s'il n'y a plus aucune raison de jouer au jeu, les gens vont s'enlacer très très vite. J'ai touché quelque chose. Touché. Par contre, le fait que tu prennes zéro me saoule. Mais me saoule grave. Hop. Et j'ai des lags en plus, c'est génial. Hop.
Raté. Je vais aller défendre la nôtre là-bas. Parce qu'apparemment... Non! Oh putain! Génial! Et lui, vous pouvez le dégommer ou pas? Non, surtout pas! Putain, mais c'est même pas censé voler! Et les, en plus, les putains de rotors, ils sont super solides! Alors qu'ils devraient être extrêmement fragiles! Mais tout ça parce qu'en fait, ils étaient trop fragiles au début! Bah oui, bah écoute, c'est des rotors, hein. Normalement les rotors c'est fragile. Hein. Les gens se sont plaints que les rotors étaient trop fragiles, pas assez solides. Et toc. De toute façon, ils devraient faire une arme autoguidée, imparable, qui passe à travers les électroplates, qui passe à travers les murs, et qui fasse plus de dégâts que le sniper. Voilà ce qu'ils devraient faire comme arme. Vous voyez que si on fait une pétition et qu'on envoie un millier de... 2000, enfin ouais, qu'on est 2700 abonnés. Si on envoie 2700 mails d'un seul coup je sais plus comment ça s'appelle, enfin au développeur du jeu. Ils vont accepter de nous faire cette arme là uniquement pour nous ou... Blam, je me suis caressé le nez sur le mur. Allez. Allez, bah oui, parce que bien sûr, ce vaisseau est trop lourd, mais les rotors, eux, le poids, ils en ont rien à foutre. Et bien sûr, les revoilà avec leur putain de SMG moisi. Oh, dis donc, entre Battlefront qui me saoule ce matin et Robocraft, ça va être génial la journée, là, je la sens super bien. En fait, on se prend un tir de SMG dans l'aile, on est mort. L'aile est morte. Raté. Hop. Your top fusion tower is under attack. Medic flyer spotted. SMG spotted. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. SMG hover. Bien sûr. Allez. Hop. Et voilà. C'est saoulant. L'équilibrage de jeu est vraiment saoulant, chers amis. Sans vouloir être méchant... On a tiré un heal dans le coin, non? Génial. Putain, l'équilibrage de jeu est vraiment fini à la pisse. Hein. Incroyable. Incroyable. Déjà de base, les dégâts explosifs ne devraient pas s'arrêter aux électroplates. C'est un dégât explosif. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où l'explosion touche une électroplate, l'explosion, vous faites zéro dégâts à l'ennemi. C'est naze, c'est débile. Ah non, pas encore, j'en ai ras le bol de tes putains de SMG. Allez, viens. Oh, t'es sérieux? Zéro, voilà, j'ai touché une électroplate, zéro. C'est saoulant, c'est saoulant. Si vous saviez à quel point ça me saoule, cher Daniel. Catastrophe.
C'est une catastrophe ce jeu en fait. Ils ont qu'une chance, vraiment. C'est que le jeu soit free to play. C'est quand tu vois les prix déjà auxquels ils vont. 70 euros pour avoir un robot. Je sais pas, ou 60 euros pour avoir un robot. Je sais pas si vous voyez la connerie. La connerie monumentale. Ok. Hop. Your top fusion tower is under attack. Plasma hover spotted. SMG hovers. Ok. J'ai pas pu finir ma manœuvre. Pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont pété une aile. Une seule. Donc là ça vient de l'équilibre de mon vaisseau certes. Mais quand tu vois qu'en pétant 3 rotors, les machins, ils arrivent encore à voler droit. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Ce jeu est moisi. Alors, c'est bon, on arrive à reprendre. Hop, on y retourne. Accélère, 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 accélère. Oh, 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 oh. Bon. Ça me saoulait. Non, non, le but pas. Aïe. C'est pas grave. Hop. Parfait. Victoire. Bon, combien de points on fait? 200 000? 150 000? Peut-être 300 000? Est-ce que le jeu va être sympa ou est-ce qu'il ne va pas l'être? Parce que je trouve que les gains sont vachement réduits. Avant, on faisait du 600 000. Voilà, 200 000. Heureusement que je suis en x2, hein. Parce que j'ai le bonus de victoire et le bonus de comment de premium account, hein. Parce que ça, ça a été baissé, c'est d'une violence, hein. Mais enfin bon. Hardware, et on a notre deuxième SMGTX. Hop, parfait. Edit robot, non, pas celui-là. Celui-là. Donc, il faudra que je le réédite ensuite. Ne vous inquiétez pas, hein, il va pas rester comme ça longtemps. Hop. Je vais le refaire, ce robot. Mais bon, en soi, on a deux SMGTX, qui est déjà bien. Je vais le refaire. Il va falloir un peu plus de crédit que ça, mais je vais le refaire. Combien que je... Alors attendez, juste pour voir un truc. Combien coûte une de ces saloperies? Un prix de connerie, d'accord. C'est bon à savoir. Ça, je peux vendre. Les 10, je peux les vendre. Les 4, je peux les garder des fois que, sait-on jamais. Bon, de toute façon, on n'aura pas grand-chose. Hop. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va se refaire encore un ou deux épisodes avec le volant, histoire qu'on puisse se faire... Oula, j'ai plein de friends invite.
Personne me donne des crédits, bah alors les amis, vous êtes pas sympas? Si vous voulez qu'on avance. Bon bah voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, valiser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Enfin 2 SMGTX. Classe.